Hello, mes amis Verseau. Pourquoi je prends cet accent avec vous? C'est bizarre. Bienvenue sur votre guidance du mois de mai 2023. J'ai cette sensation que si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est juste pas par hasard. Je sais pas pourquoi je devais vous dire ça. Allez hop, je vous le dis. C'est bon, c'est fini. On n'en parle plus. La guidance, je vous la propose d'abord en deux temps. Premièrement, guidance générale, avec le côté professionnel associé aux finances, à vos finances. Et dans le deuxième temps, la guidance sentimentale. Bienvenue, mes amis Verseau, en signe solaire ascendant et lunaire. On est parti, on va regarder ce qui se passe pour vous. Quand je me suis connectée à vos énergies, j'ai vu Maître Yoda sous une cascade en mode namasté qui était tranquille. Vous prenez un petit peu cette cascade sur vous, là, vous voyez, on est dans un endroit vraiment consacré, sacré, et vous êtes tranquille. Et puis tout d'un coup, qu'est-ce que j'entends? Un écureuil qui fait du bruit, qui est en train de manger. Ça peut être aussi, vous savez, vous êtes tranquille, posé, en mode détente, en train d'écouter une musique tranquille. Le voisin qui se met à faire des trous avec sa perceuse à percussion. Et ça vous arrête dans votre méditation, ça vous arrête. Voilà. Donc, cet instant de tranquillité que vous vivez sur ce mois de mai va être parsemé de bruit un petit peu dérangeant, de personnes peut-être un petit peu dérangeantes, mais vous ne perdez pas le fil. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si vous aimez cette vidéo, surtout n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la commenter, à la partager. Bref, vous savez tout, 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 et même les oracles que je vous consigne dans la barre de description. C'est parti pour la guidance générale. On va se remettre dans vos essences de sérieux quand même. Là, vous étiez en train de faire une belle méditation, bien focus, bien concentré sur quelque chose. Et c'est pas étonnant puisque vous êtes accompagné de Merlin, le savoir de Merlin. Avec la pleine lune blanche, le jour samedi, on a les énergies de Saturne, la planète Saturne, le ben, oui, pas étonnant, le violet, puisque c'est les ancêtres, c'est la spiritualité. Savoir divin. Donc on est d'accord, on est en train de vivre un truc important là sur ce mois de mai. Merlin, druide, divin, savant du vivant, des lois de l'équilibre de notre terre, enseigne-moi l'essence dans la matière. Montre-moi l'étude pour en extraire la connaissance et l'expérience. Il y a un apprentissage important qui peut être de l'ordre matériel ou immatériel, hein, spirituel ou terrestre. Ça peut être de la formation, hein, d'un point de vue concret. Ça peut être aussi peut-être une technique que vous êtes en train de perfectionner ou tout simplement d'apprendre. Tout ce que je vous ai donné sur la côté, c'est pour ceux qui aiment faire des rituels, qui aiment ritualiser un petit peu leur vie. Donc, ça peut être des indications supplémentaires. On a cet halo de douceur, de gentillesse, de sagesse. Vous voyez, Maître Yoda. J'ai aussi dans Kung Fu Panda, c'est comment il s'appelle son maître à Pou comment il s'appelle? Bou, non Pou. Comment il s'appelle ce maître à penser là? Qui ressemble à quoi? Un écureuil, je ne sais pas quoi d'ailleurs. Mais vous voyez, on a ces essences-là. Ok. On se sent intime avec vous, on sent qu'on est dans des rencontres, une rencontre importante. D'ailleurs, il peut avoir une nouvelle rencontre, même au point de vue émotionnel, quelque chose qui donne ensuite qui donne du plaisir et qui, on est un petit peu dans les essences, un petit peu comme le 4 de carreau, 4 de carreau, 4 de cœur, je vais y arriver, je vais faire tous les 4, sauf celui de cœur. Et ouais, c'est quelque chose qui peut se réaliser. On est sur une nouveauté, une nouvelle rencontre qui peut se concrétiser ensuite avec du mariage, l'officialisation pour les mois à venir. Ouais. Alors, l'argent, vous l'avez sauté, donc du coup, elle a voulu revenir avec vous. Donc, c'est un mois prolifique, c'est un mois qui est relié à la prospérité. Ça peut être un mois de dépenses. Vous dépensez peut-être pour une formation, vous dépensez peut-être pour améliorer votre quotidien, améliorer votre habitat. Ça peut être. Pourquoi pas passer chez monsieur et madame banquière? Il y a un bon équilibre. Il y a un bon équilibre, mais il y a des Verseaux qui sont doubles. C'est-à-dire qu'il y a des Verseaux qui peuvent vraiment dépenser. C'est une dépense qui leur tient à cœur. Et ça peut être même difficile financièrement, mais vous l'avez attendu. Vous avez vraiment thésaurisé pendant un laps de temps. Où on a des Verseaux qui justement sont encore dans cette thésaurisation. Donc il y a soit l'accomplissement de vraiment choisir quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir,
soit on est dans cette continuité. Et ce mois-ci, vous avez fini. Là, voilà, c'est bon. Le mois prochain, je vais pouvoir m'acheter ce à quoi j'aspire, ce à quoi je rêve. Yes. Alors, du point de vue de la trame générale. Bon, en tout cas, c'est un mois qui effectivement est tourné sur l'énergie de l'argent et de la prospérité. Vous avez possibilité de faire des petits. On ne sait jamais, planter des pièces, ça va peut-être faire des arbres à pièces. Je plaisante, mais... Ah, mais c'est sympa ça comme visualisation. Allez hop, maintenant, ici et maintenant, on se concentre, on plante une pièce, voilà, et on décide de l'arroser pour que ça fasse un arbre à pièces dans votre vie. J'aime bien cette visualisation. Je la garderai, tiens, pour retravailler sur l'abondance. Je l'aime bien. Merci mes amis Verseau, justement, pour cet enseignement. Vous voyez, même à travers un tirage, une guidance, on a des enseignements. Bien. Alors, bon, Maître Yoda, là c'est clair et net, on a les empreintes de la sagesse, bim, bam, boum. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus que ce que je vous ai dit en termes de canalisation ? Merlin, le savoir divin, la formation, le livre, le savoir, l'éducation, l'intelligence, oui. Mais je dis aussi souvent éducation et intelligence, pour moi ce sont deux mots complètement différents, qui ont une connotation et une signification différente pour ma part. D'accord, donc là ça peut être aussi associé à des prières, à cette loi d'invention, cette loi d'attraction, j'ai vraiment cette visualisation. De toute façon moi je vous voyais, alors je crois que oui c'est ça, c'est bien ce que j'avais vu. J'avais vu un homme ou une femme dans leur présentation, vous savez, comme c'était un hologramme. Comme c'était un homme ou une femme holographique, et je voyais les 7 points des chakras sous cette cascade. Donc vous ouvrez, un chakra ne se ferme jamais, il ne s'ouvre pas, c'est pas une problématique, mais vous ouvrez encore plus votre énergie interne et les 7 chakras principaux, parce qu'il y en a plein d'autres bien entendu. Vous êtes en harmonie, vous êtes en équilibre, c'est comme ils étaient vraiment bien reliés, tout fonctionne bien, donc au point de vue déjà santé, bien-être, c'est pas mal. On est sur un bon mois, la paix et l'élévation, vous voyez, vous vous sentez prêt et prête, capable, et c'est pas tout le temps, donc il faut quand même le spécifier, ce mois-ci, à acquérir un apprentissage. Et quel qu'il soit, sous quelque domaine, vous faites entrer de la nouveauté, vous êtes prêt et prête, vous êtes disponible, comme je dis souvent en termes émotionnels, vous êtes disponible à recevoir. Recevoir quoi ? C'est tout un chacun, Verseau et Verseaute, qui allait le recevoir. Je ne peux pas vous l'identifier parce que ça va être un enseignement différent pour chaque Verseau. Il y en a que ça sera plus le domaine familial, plus le domaine amoureux, plus le domaine financier. Mais laissez votre champ des possibles vous pénétrer. Il faudra aussi peut-être méditer, ça ce sont des conseils, vous mettre dans des états de onde alpha et theta, voilà. Je ne sais pas pourquoi je prends l'accent allemand, mais... Faire appel, voilà, des techniques qui sont vraiment dans cette singularité, les synchronisations des chakras. Vous avez de belles musiques sur YouTube. J'ai fait un post il n'y a pas longtemps d'ailleurs un son qui est associé à cette conscientisation et cette synchronisation de tous les chakras. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être assez important. Vous pouvez porter les couleurs de l'arc-en-ciel aussi. Ça, c'est une donnée supplémentaire. Du côté professionnel, qu'est-ce que l'on a ? Ok, parole, enfermement, c'est pas étonnant, et santé, ouais, là vous êtes bien, vous êtes vraiment bien, surtout quand cette carte santé elle sort, c'est la petite fille qui s'occupe du docteur, elle me fait rigoler hein, cette carte du miroir, elle est mignonne comme tout, elle vient avec sa petite mallette de jouets, allez docteur, c'est moi qui vais te soigner, c'est moi qui vais être l'infirmière, c'est moi qui vais être l'aide-soignante, donc on voit que vous prenez soin peut-être d'une personne sur le milieu professionnel, mais on a en tout cas une bonne santé professionnelle, c'est ce que cela veut dire. Il y a quand même cette compréhension qui se fait pendant ce mois-ci, donc on va alterner des modes différents à chaque fois. Ça peut être des modes où vous êtes sur de la formation, ça peut être des modes où vous enseignez. Donc, soit vous recevez, soit vous donnez. Professionnellement parlant, on a quand même cette sensation
J'entends de choisir les interlocuteurs. C'est pour ça qu'il y a il y a cette bonne intelligence et il y a cette bonne visibilité des personnes que vous fréquentez sur le milieu professionnel. On a des capacités à transcender le savoir. C'est-à-dire que vous recevez une partie, sans doute, je ne sais pas, de formation, où il y a cette capacité en tout cas de recevoir et ensuite de le digérer et de le redistribuer. C'est comme si vous étiez en formation tout simplement et qu'ensuite vous deviez à votre niveau former tous vos autres collègues. Vous voyez, vous êtes le collationneur, le collecteur, la collectrice d'informations, le point focal, hein, et ensuite avec cette capacité d'étayer, d'y mettre des exemples dans vos situations, dans votre entreprise. Ouais, c'est vous êtes le représentant du savoir qui vous a été transmis. Mais parce que vous l'ingérez, parce que ouais, c'est ça, vous le cogitez. Ok. Point de vue professionnel, si vous êtes auto-entrepreneur, il y a... Il pourrait avoir un manque de visibilité. Vous en prenez compte. Vous prenez compte qu'il y a quelque chose qui vous empêche de rayonner. Et c'est un manque de communication. C'est un manque de communication où votre communication n'est peut-être pas accomplie, où vous devez peut-être justement l'étayer, la renforcer. J'entends, vous savez, comme si on mettait des fleurs dans un bouquet, comme si on rajoutait des choses en supplément pour que ça soit. Il y a peut-être ce concept de visuel qu'il faut aborder. En plus, sur ce côté travail. Mais c'est bien ce que vous faites, c'est déjà bien. Soyez fiers de ce que vous faites parce que c'est l'entreprise est en bonne santé. Yes. De toute façon, on a le soleil sur l'entreprise, hein, vous voyez? Sur la santé, le soleil sur la santé. Qu'est-ce que vous voulez d'avoir plus? Bon, les pépettes, elles sortent. Hein. Les pépettes, elles sortent. Elles sortent, elles sortent. Alors, est-ce qu'on va aller rechercher les pépettes, justement? Le voyage, ouais, c'est exporter ses capacités. Oui, ça peut prendre un petit peu de retard, mais n'oubliez pas, ce que vous faites, c'est bien, c'est la bonne trame. Ce n'est pas le fond à revoir, c'est la forme. Et ça a une différence, il y a une différence notoire. Il y a une différence notoire sur ce côté professionnel. C'est pas ce que vous êtes, c'est peut-être la manière dont vous le présentez. Finance. Bon, on ne va pas se mentir. De toute façon, on a vu ce côté de thésauriser, ce côté d'épargner un petit peu pour s'offrir un voyage, ça peut être ça, pour s'offrir un déplacement. Qui peut être d'ordre professionnel, tout n'est peut-être pas pris en compte par votre entreprise, par vos entités étatiques, enfin bref. Il y a cet accord qui se fait, mais cet accord avec vous-même. Je n'ai pas de partenariat qui ressort, je le ressens pas, pourtant c'est une carte hein, qui est tournée là-dessus, sur la poignée de main. Mais pour moi, il y a une entente avec vous-même. Attends un petit peu, où c'est le moment? Vous voyez, il y a cet aval. En vous-même. Je réfléchis, est-ce que c'est bon? Je regarde mes comptes, est-ce que c'est OK? Non, là, il faut que j'attende un petit peu. Bon, ben voilà, c'est pas grave. Oui, là, c'est bon, je peux y aller. Vous voyez, donc il y a ce système de temporisation ou cet accomplissement si vous y êtes sur ce verso, sur ce mois de mai, mes amis verso. Mais on sent quand même que vous êtes dans l'accomplissement, c'est bientôt fini, vous avez bientôt fini d'épargner pour quelque chose. Ça peut être, alors de l'immobilier, je n'entends pas, mais il y a quelque chose à côté de l'immobilier. Au lieu d'acheter une maison, ça pourrait être acheter par exemple un cabanon. Vous voyez? Donc il y a cette dimension aussi peut-être de comprendre que vous n'avez pas les finances et que vous n'y arriverez peut-être pas, ça va être trop de temps, il y a trop de temps à investir. C'est peut-être pas le bon moment non plus, donc peut-être vous revoyez vos projets plus petits. Donc c'est pour ça que j'ai la symbolique de la maison et ensuite du cabanon. Alors je ne dis pas que vous habitez dans le cabanon, faites attention à ça. Mais il y a, bah, je ne sais pas si vous êtes sur un appartement, par exemple F5, eh bien vous allez peut-être vous dire bon ben est-ce qu'on a besoin de cette pièce en plus? Est-ce qu'on ne peut pas aller sur un F4? J'en ai vu plus dans nos cordes, voyez. Mais j'ai l'immobilier, peut-être pas l'achat de suite, mais ou à moins de réduire. Être sur une fenêtre de réduction. Mais ça vous fait quand même plaisir parce qu'on a cette sensation d'être à la fin quand même de toujours attendre, 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 attendre. C'est bien mignon, mais voilà, ce mois-ci,
vous arrivez soit à dépenser, soit à finir, bah, peut-être de rembourser un prêt aussi. Vous voyez? Ah, ça y est, j'ai enfin réussi à... ça y est, c'est le mois, c'est le dernier mois. Hop, c'est bon, j'en ai fini. Du côté de la guidance sentimentale, je vous mets ici en haut l'essence féminine qui sera dans votre représentation. Alors attention, l'essence féminine n'est pas un genre, ce n'est pas elle, c'est il ou elle, c'est l'essence féminine pour moi, pour la symboliser, j'en ai besoin. Donc voilà, je vous le dis. En dessous, ce sera votre conjoint, votre conjointe, votre amoureux, votre amoureuse, ou la personne que vous attirez à vous. Si vous êtes célibataire, je la positionnerai en tant qu'essence masculine, donc je dirais souvent il, mais encore une fois, ce n'est pas genré. Et la troisième, le troisième ligne que je mettrai au-dessus, ça sera la liaison entre vous. Que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire, en situation compliquée, c'est parti. Ou est-ce que je suis avec les bonnes? Mais non, je ne suis pas avec les bonnes. Oh, c'est pas vrai, ça commence. Là, 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 là. Ouh, ben non, c'est pas la bonne non plus. On va y arriver. Oui, parce que c'est... C'est un oracle qui est décomposé en trois temps, l'état d'esprit, le besoin ainsi que le conseil. Alors c'est parti justement pour l'état d'esprit, comment vous êtes. L'aide, ah, c'est mignon, ça ressort comme la petite fille tout à l'heure, l'aide soignante. Regardez, allez, on va la positionner à côté. Donc il y a, alors c'est vrai que je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais en termes de professionnel, vous prenez peut-être... C'est marrant parce que j'avais cette sensation, ça me vient maintenant. Vous pouvez être conseillère ou conseiller dans la santé des entreprises, justement. Donner des conseils. Oui, conseillère, en général, ils donnent des conseils. C'est pas mal. Bravo. Oui, 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 oui. Beau pléonasme. Ouais, ouais, bravo. Je monte en haut et je descends en bas. Ok. Alors, au point de vue émotionnel, on a cette... cette volonté d'être infirmière, infirmière, être soignante, de penser les blessures du cœur. Est-ce que c'est les vôtres ou est-ce que c'est celles d'une autre personne? À mon avis, c'est plus être à l'aide, à l'écoute et apporter son énergie et sa guérison, entre guillemets, son occupation sur la personne que vous avez en face de vous. Ok. Le besoin. Un, c'est une énergie qui est pas mal. On commence. Mais n'oubliez pas, vous êtes sous la cascade, vous avez des enseignements, vous avez cette capacité. Il y a plein. Vous êtes déjà une personne sage, surtout sur ce mois-ci. C'est la sagesse qu'on va venir chercher en vous. Renoncez. Rappelez-vous, justement, dans cette projection que j'avais eue au début, si vous n'avez pas vu la guidance générale, je vous invite à la voir. Je vous voyais sous cette cascade et avec la sensation du marteau piqueur, hein, qui vous dérange. Eh bien, vous allez pouvoir vous reconcentrer. Donc, renoncer, ça peut être justement, quel est ce bruit, quelle est sa personne qui vient vous, comment dire en anglais, vous disturber. Vous disturber, c'est vous, j'arrive pas à trouver l'équivalent en français, vous déconcentrer. Merci. Quelle est cette personne ou cette situation qui vient vous déconcentrer? Est-ce que c'est une personne de votre famille, un membre de votre famille qui vous dit « Ah, mais non, tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas faire ça, tu devrais renoncer à cette personne, justement. » Gna, 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 gna. Ou est-ce que c'est un ex qui peut refrapper à la porte, qui peut essayer de fracturer la porte même, voilà. Donc, dans le sens de... Il y a ce côté balourd, voyez. Il y a ce côté gros bruit, dérangeant. Et vous, ça... Ah, mais tu m'as coupé dans mon instant méditatif, contemplatif. J'étais pas mal, j'étais peinard dans ma routine et dans ma vie. J'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de toi. Donc, on renonce justement à écouter ce bruit. Il est là, il fait partie du coup, à l'instant T de votre vie. Et on... Voilà, on déconnecte, c'est comme si on déconnectait, sinon on met un bouchon dans l'oreille et je ne t'entends pas, je ne t'entends plus, voilà, voilà, je vais pouvoir me reconcentrer, je n'ai plus besoin de ça. Donc ça peut être se séparer justement de ces vieux schémas que vous avez envers une personne. Et j'ai même cette sensation de dire, bon, ça fait longtemps, il est toujours dans mon cœur, il est toujours dans mon cœur, j'y pense toujours. Ce mois-ci, vous avez la capacité de... Ouais, d'accord, tu reviens encore dans ma tête, tu reviens encore dans... Mais là, j'ai décidé, ici et maintenant, de dire stop, c'est fini, c'est fini. Tu peux continuer à gesticuler autour de moi, c'est comme un enfant qui crie à côté de vous, qui fait un caprice.
Oui, bah, tu peux continuer, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc là, il y a cette donnée-là. Tu ne m'intéresses pas. Et on est encore dans ces essences. Le conseil, c'est de se recentrer. Voilà. Tu gesticules, tu hurles à côté de moi. Vous pouvez être en couple, hein. Y a de ça aussi. Ou si vous êtes célibataire, vous avez pu vivre ces situations-là. Une personne qui revient sans cesse dans votre tête, vous vous dites, c'est pas possible, c'est pas fini, j'ai encore quelque chose à faire. Ouais, d'accord, ok. Mais ce mois-ci, j'ai pas envie de m'y attarder, j'ai pas envie de faire ça. Vous pouvez aussi faire ce concept de c'est bon. Je t'ai accordé assez d'énergie, assez de positif en moi. Je me suis assez occupée de toi. Et maintenant, je vais peut-être m'occuper de moi. Il y a de ça aussi, hein, dans cette division. Je ne sais pas pourquoi je vous dis cette division. Ouais. Parce qu'il y a des versos qui s'occupent que d'eux pour guérir leurs propres blessures. Il y a des versos qui vont s'occuper justement de la trame, j'allais dire adverse, de la personne que vous avez en face de vous. Voyons voir. Donc là, ça va concerner plus les célibataires, d'ailleurs, je l'entends. Vous pouvez rencontrer une personne qui a besoin de votre aide. Alors, ce n'est pas forcément du définitif, ça peut être de l'éphémère, mais de l'éphémère qui est nécessaire, je l'entends. Elle a sauté et je vais la repiocher. Donc, elle voulait vraiment sortir. Une personne qui est peut-être actuellement mariée, une personne qui est peut-être engagée, une personne qui n'est pas disponible au niveau du cœur. Voilà qui on a en face de nous, enfin de vous. Ok. C'est une personne qui s'est engagée, qui regrette peut-être ou qui est dans une monotonie de couple et qui s'ennuie ferme. Qui s'ennuie tellement ferme qu'il peut regarder ailleurs. Ou alors qui souffre et qui demande de l'aide. Votre aide. Ça peut être aussi une personne qui a vécu, qui a été mariée, qui est divorcée, mais qui n'est pas encore disponible dans son cœur. Vous voyez, il y a cette notion de disponibilité. Son besoin. Lui aussi, il a besoin de renoncer, hein. Il a besoin de mettre de l'eau dans son vin, je l'entends déjà. Et il a besoin de redevenir libre. De redevenir libre, mais ça va pas être facile pour lui de partir de son couple. Ça, c'est ce que j'entends. Faites attention à ces personnes qui ont des doubles vies et qui vous font miroiter des choses. Ouais. C'est une personne qui pourrait avoir une double vie, vous voyez? Où il y a cette notion de oui, je suis célibataire, mais en fait, qui pense toujours à son ex ou qui pense toujours à la mère de ses enfants, enfin voilà, bref, ou au père de ses enfants. Voilà. Donc là, on a une personne qui pourtant essaye, mais dans son for intérieur, il y a un petit peu de mensonge, vous voyez, il y a un petit peu de mensonge en disant que c'est bon, voilà, je suis totalement célibataire. Ouais, il faut encore qu'il chemine par rapport à ça. Le conseil. Ouais, mais il y a une nouvelle personne qui vient, bah, c'est vous. C'est vous, donc c'est pour ça que je disais que c'était plus par rapport au célibataire, hein, cette ligne. Ouais, parce que la rencontre, elle se fait. C'est marrant, vous êtes assis tous les deux. Vous êtes assis sur de la pierre, un bloc de pierre, et lui, il est assis sur la possibilité de s'asseoir sur un banc. Donc, il y a toujours cette notion d'être peut-être assis quelque part, et c'est une personne qui peut venir à côté de vous. Donc, il y a une rencontre qui peut être inopinée, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Et il y a ce double 4. Le 8, c'est souvent l'énergie de l'argent, c'est l'énergie de l'infini hein, aussi, bien entendu, l'énergie du karma. C'est une personne que vous avez peut-être rencontrée dans une vie antérieure avec laquelle vous devez revivre quelque chose, mais faites attention à sa situation. Essayez un petit peu d'être l'espion, l'espionne, et de ne pas croire que en ses paroles. Parce que pour moi, elle pourrait avoir anguille sous roche. Il faudra peut-être, je l'entends, faudra peut-être le faire boire pour savoir ce qu'il va dire ou ce qu'elle va dire. La nana qui incite à faire un festin et à faire boire la personne en face. Non, mais il y a cette question d'essayer de gratter un petit peu plus loin parce qu'il peut avoir des mensonges ou il peut dissimuler une partie de vérité pour pas montrer ses faiblesses. Ça peut être effectif. D'accord.
Bon, en tout cas, c'est vous, hein, l'aide-soignant, hein, l'aide-soignante, on l'a compris, c'est vous l'infirmier, l'infirmière. Sauf pour ceux qui sont en couple, on a cette sensation quand même que vous essayez de vous guérir et de dire stop. Alors, si vous êtes célibataire, que vous ne vivez pas de rencontre et que vous avez plus envie de dire stop, c'est fini, je ne t'accorde plus d'importance, oui, hein, c'est le cas aussi. Hein. En termes d'état d'esprit, tous les deux, ouais, ce que vous comblez tous les deux et ce que vous, vous lui amenez, c'est ce manque. Donc, ça pourrait être vous, la pièce rapportée, la fin du puzzle. Mais faites attention parce que le puzzle est déjà constitué. Ne l'oubliez pas, ça. D'accord. C'est ça qui cherche aussi, hein, lui ou elle, là. Cherche... Il y a quelque chose qui... Le cœur est pas rempli. L'âme n'est pas remplie. C'est comme des fois quand on se trouve à des chemins de vie, à des croisées de vie, où on a tout dans notre vie et pourtant on n'est pas forcément heureux parce qu'il y a quelque chose d'autre... que l'on cherche, que l'on ne sait pas. Eh bien, on est dans cette démarche. Le besoin, la nostalgie, tous les deux. Donc, il y a cette question d'ex, pour ceux que ça résonnait tout à l'heure. Voilà, la situation passée où l'ex partenaire qui frappe à la porte et qui fait du bruit. Là, je suis dans la symbolique de carrément l'album qui tombe par terre et qui tombe par terre plusieurs fois. Et un album photo, c'est lourd et ça fait du bruit quand ça tombe. Donc, ça peut être voilà, une ancienne connaissance sentimentale qui cherche à revenir et à faire du bruit dans votre vie pour que vous lui accordez de l'attention. Alors, on va finir par le conseil pour vous deux là. Bah, c'est toujours dans les mêmes énergies que vous dégagez. J'avais ça, vous voyez, c'était comme ça, vous étiez dans cette holographique avec les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ben exactement ça, voilà. On a toujours le chiffre 7, la spiritualité, les chakras qui ressortent, donc même à travers l'émotionnel, tous les deux, vous arrivez à vous compléter, vous arrivez à vous apaiser son cœur, vous arrivez à le mettre dans un état de détente, d'équilibre. Faites attention parce que vous voyez, cet équilibre, il est savamment mis, mais au moindre choc, il pourrait s'écrouler. Donc, il y a cette notion d'avoir de bonnes bases. C'est important d'avoir de bonnes bases pour construire de bonnes constructions. Donc, vraiment de savoir qui vous avez en face de vous. On peut aider une personne, on peut aider un ami, on peut aider plein de personnes autour de vous parce que c'est une guidance sentimentale, mais aussi émotionnelle. Ça peut toucher des membres de votre famille, enfin bref. Mais il y a ce sentiment de... Il faut tout connaître, il faut tout savoir. Il faut que la personne elle soit vraiment honnête avec vous pour construire des bonnes choses ensemble. Sinon, bah, ça s'effondre comme un château de cartes. Voilà ce que j'avais pour vous, mes amis Verseau. J'espère que cette guidance vous a plu, que vous avez récupéré les messages qui sont importants pour vous. Je vous dis à très bientôt. Vous avez d'autres guidances sur la chaîne. N'hésitez pas à les fureter. Vous pouvez aussi me laisser un pouce bleu. Ça me ferait vraiment très plaisir. Partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve le mois prochain. Passez un excellent mois de mai. Et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, mes amis Verseau. Ciao, ciao.